Bernardo! Bernardo! Ouais? J'ai un appel pour toi. Un appel? Ouais. Non, non, t'en réponds. Tiens, je sais pas, ça vient de Paris, regarde. Un appel de Paris? Ouais. Allô? Si? Si, Bernardo Silva, si? Entreprise de père et fils? Si? Ah, mais... Pour... Mais attendez, vous trompez de numéro. Moi, je suis chef chantier, manœuvre, gros œuvre. Mais vous, caraille de merde, vous encore trompez de personne. Aïe, obrigado. Obrigado. Ah, mais tu es là. Salut les camés. Salut les vrates, salut les gens. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. J'étais en train de repeindre un petit mur, petite façade comme ça, tranquille. Ça va? Comment vous vous portez? Alors, je te fais cette vidéo pour te parler de Bernardo Silva. On va pas revenir sur la masterclass qu'il a effectuée hier contre le Real Madrid en demi-finale retour de Ligue des Champions. Il a éteint, pas à lui tout seul, mais il a éteint le Real Madrid. Bref. Pour te parler de Bernardo Silva, la rumeur qui enfle de plus en plus au Paris Saint-Germain. T'as vu, ça fait plusieurs jours qu'on parle du personnage, qu'on associe le PSG à Bernardo Silva. Hier, en interview d'après-match, Bernardo Silva ne ferme pas du tout la porte à une éventuelle arrivée cet été au sein du Paris Saint-Germain. À la question, quels sont vos plans pour l'été, pour l'année prochaine? Il n'a pas... botter la question en touche, il a répondu, voilà, étape par étape. Il nous reste la première ligue à aller chercher, la finale de FA Cup, je crois, si je dis pas de bêtises, et cette fameuse finale le 10 juin à Istanbul contre l'Inter Milan. Et après, on verra. Après, on verra. Donc voilà. Donc il a pas dit non, Paris, nanana, bref. Après, ça veut peut-être rien dire aussi. Je m'enflamme pas, on s'enflamme pas. On sait qu'il y a des contacts qui sont établis entre le PSG et le clan de Bernardo Silva. Ça, on le sait. Je pense pas que ça soit des rumeurs comme ça infondées ou des fantasmes. Maintenant, pourquoi je te fais ça, Bernardo Silva, chef de chantier? Parce que comme souvent, on va chercher des très, très bons joueurs, des top players. Je prends un seul exemple, mais il y en a plein d'autres. Wijnaldum. On va le chercher au Liverpool. Il gagnait la Ligue des Champions avec Liverpool, c'était un gros joueur, un bon joueur, un très bon milieu de terrain. Il arrive chez nous, c'est sa cousine, Wejden. Donc tu vois, et ça c'est qu'un seul exemple parmi tant d'autres au Paris Saint-Germain ces dernières saisons. Donc j'espère que là, si on arriverait à faire Bernardo Silva, et en plus, avec le match qu'il a fait hier soir, je pense que sa cote vient de prendre 25-30 millions dans la gueule. Pigeon Saint-Germain, j'espère qu'on va pas se faire avoir, mais... si il est amené à venir chez nous, j'espère juste que ça sera le Bernardo Silva, joueur de football professionnel, âgé de 28 ans. Voilà. Pas Bernardo Silva, ouvrier professionnel dans le BTP depuis plus de 35 ans, tu vois, et le mec est complètement rincé, rouillé, et il attend qu'une seule chose à midi, c'est de boire sa vignasse avec son casse-croûte, tu vois. Non, j'espère pas que ça sera celui-là. Hein. Oh, ou j'espère juste pas qu'on aura Bernardo... le complice et ami fidèle de Zorro. Zorro Saint-Germain. Bref, blague à part, on va rester sérieux. J'aimerais bien, parce que franchement, c'est un bête de profil. C'est un bête de joueur. Il a une intelligence de jeu qui est, je pense, pour moi, au-dessus de la moyenne. Et je vais même aller plus loin. Tu me dis si je suis un con ou pas. Ou tu me dis si tu penses pareil en commentaire. Moi, je trouve que là, sur ces deux... écoute bien ce que je vais dire, au lieu de t'enflammer... Putain, mais c'est un foutique, ce fils de... Non, t'enflamme pas, calme-toi. Sur ces deux dernières saisons, sur les deux saisons qui viennent de passer, hein, je parle pas d'une carrière entière, je trouve que Bernardo Silva est meilleur que Messi. J'en suis tombé de ma chaise. Oh, qu'est-ce qu'il est con, Gino. Ça engage que moi, c'est ma façon de voir les choses, le football, et ce qu'un Bernardo Silva, ces deux dernières saisons, apporte à un effectif, apporte à une équipe, une grinta, une rage, de la niaque, une envie de combattre, de battre, de mouiller le maillot. C'est un vrai soldat, c'est un vrai guerrier, Bernardo Silva. On peut pas dire le contraire, on peut pas le nier. Même quand il était
à l'AS Monaco sur le rocher. Dédicace à Tarek et Alex. Il a jamais fait semblant. Il a toujours mouillé le maillot. Bref, au-delà de tout ça, c'est bien beau de rêver, c'est bien beau de parler. Bref, si tu connais le football un petit peu comme moi, tu connais le joueur, il n'y a pas besoin de polémiquer et de parler sur lui, de citer tel ou tel exploit qu'il a pu faire, les titres qu'il a pu glaner avec Monaco ou avec Manchester City. Bref. Ou avec le Portugal. J'aimerais qu'il vienne. Vraiment. J'aimerais qu'il vienne. Pour insuffler un nouveau souffle. Insuffler un nouveau souffle dans ce vestiaire. Même si je me berce pas d'illusions. Je t'ai dit, il y a plusieurs vidéos. Il y a quelques semaines, je t'ai dit. Moi, ils peuvent ramener n'importe qui. Elon Musk. Buzz Aldrin. Ils peuvent nous faire un projet. C'est plus rêvons plus grand le projet. C'est allons sur la lune. Je ne crois plus en rien. Je ne me berce pas d'illusions. Je reste terre à terre et les pieds sur terre. Pragmatique. Mais quand même, ça ferait pas mal. Ça va là, c'est... Mais si Dieu veut, s'en va cet été. Voilà, un Bernardo Silva. Ah, Neymar, quand il reviendra. Je compte plus sur lui. J'espère que Verratti, là, tout ce qui s'est passé en ce moment, le fait qu'il sente qu'il est plus en odeur de sainteté, justement, ça va peut-être lui faire bouger un peu plus le fiac, le cul, les fesses, le popotin, ce que tu veux. J'espère juste que ça va le motiver un peu plus, même si j'y crois plus. En Marco Verratti, c'est bon, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans. Minimum, tous les ans, on rabâche les mêmes choses avec lui, ça change pas. Bonga bonga, soirée et festivité, donc voilà. Bref. Franchement, je serais quand même content qu'un Bernardo Silva vienne au PSG. Tu me dis ce que toi tu en penses en commentaire. J'espère juste qu'on va pas le brider. Que ça va pas se transformer en Bernardo Silva des chantiers, le chef d'exploitation et des travaux. J'espère que ça restera le Bernardo Silva, guerrier, intelligent, qui mouille le maillot, soldat, voilà, qui respecte les consignes, quand tu le mets à droite, à gauche, au milieu, en attaque, peu importe, le mec il fait le taf, que tu le mettes derrière, latéral, il fait le taf le mec. Un vrai soldat putain, comme Danilo, un soldat. Voilà, c'est des mecs comme ça qu'il nous faut dans le vestiaire du PSG. Il y aura Danilo, compatriote, compère, il y a Vitinha, enfin bref, tu vois, voilà, c'est un petit clan en plus, il se sentira bien le mec. C'est lusophone, oh, je sais plus comment on dit là, communauté portugaise, tu me dis en commentaire, j'ai peur de dire une bêtise. Enfin tu vois, il se sentira bien le mec, bref, tu me dis en commentaire ce que toi t'en penses. Moi je vais te laisser là-dessus, pardon, je vais te faire un petit montage au calme, et puis tu me dis ce que tu en penses, en commentaire, et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Il y a un match, c'est dimanche qu'on joue, je sais plus. Bref, je crois qu'on joue dimanche à 20h45 en direct de Prime Vidéo. Bref, je sais plus. On a le temps de voir d'ici là. Moi, je te laisse. Je te souhaite une très bonne journée, soirée ou nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et puis, je te dis à très bientôt. Ciao.